photo d'Arthur. Bravo, Axel, je vous propose. Elle trouve qu'il est beau dans la chambre du gosse. Bravo, déjà le tisane sur le papier peint. Je trouvais ça étrange. Je dis rien, elle me fout marrer. Ces idées loufoques depuis qu'elle est en cloque. Elle se réveille la nuit, veut bouffer des fraises. Elle a des envies balèzes. Moi, je suis au petit soin, je défends son lit pour qu'elle manque de rien. La petite, c'est comme si je pissais dans un violoncelle, comme si j'existais plus. Pour elle, je me retrouve planté tout seul dans mon froc depuis qu'elle est en cloque. Le soir à tricot, en buvant de la verveine, moi je l'aime, elle se bloque. De l'air, elle use les miroirs, à se regarder dedans, à se trouver bizarre. Tout le temps, je lui dis qu'elle est belle, comme un vieux mur, elle croit que je me fous d'elle. C'est sûr, faut bien dire ce qui est, comme si je débloque, depuis qu'elle est en cloque. Donc je retire mes grottes quand je rentre dans la chambre du petit rossignol. Quel coup, c'est que son petit bonhomme qui arrive en décembre, elle le protège comme une loupe. Même le chat pépère, elle en dit du mal, sous prétexte qu'il perd ses poils. Elle veut plus voir traîner autour du paddock depuis qu'elle est en cloque. Ça bouge, je lui dis qu'un jardin, une fleur d'un ruisseau, alors elle devient toute rouge. Parfois, ce qui désole, ça fait du chagrin quand je regarde son ventre. Et bien, c'est même si je venais péter comme un phoque, moi je serais jamais en cloque. Et on applaudit notre Renaud.